Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans les 13h30 au sommaire. Fin des hostilités entre les communautés du groupement Tondabo et Karabolé autour de la gestion d'un carré minier. Les deux parties ont signé un protocole d'attente de cessation des hostilités devant l'administrateur du territoire d'Irumu. On y revient dans ce journal. Voilà tout pour les titres encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. En nouvelle, lundi 23 septembre, c'est la journée internationale des langues des signes, une journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies afin de sensibiliser le public à la langue des signes et aux droits des personnes sourdes. Pour cette année 2024, le thème retenu est « Un monde où les personnes sourdes du monde entier peuvent signer n'importe où ». On en parle avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de la mi-journée. C'est demain que s'ouvre à New York la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République prendra part à ce grand rendez-vous diplomatique mondial. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé hier dimanche au pays de l'oncle Sam. Retour en image de l'arrivée du chef de l'État avec Giscard Kousséma. C'est dans la matinée de ce dimanche 22 septembre que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à New York pour répondre au rendez-vous annuel de tous les dirigeants du monde entier. Les chefs de l'État entament ainsi une mission officielle de quelques jours en terre américaine, marquée par d'intenses activités politiques et diplomatiques de très haut niveau. Au cours de la 79e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre ce mardi, le président Félix Tshisekedi va prendre la parole du haut de la tribune pour donner sa vision sur des questions des politiques nationales et internationales. Il va aussi intensifier les plaidoyers en faveur de la République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda. L'Assemblée générale de cette année intervient dans un contexte international marqué par une avancée significative dans les processus de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, tant souhaité par les Africains. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique sont favorables à l'élargissement du Conseil de sécurité à deux pays africains sans droit de veto. Plus grand pays francophone du monde et pays solution au réchauffement climatique mondial, la République démocratique du Congo est un prétendant sérieux parmi les deux nouveaux pays africains membres du Conseil. Par ailleurs, la RDC attend aussi son élection le 9 octobre prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un événement qui va sceller davantage les retours de la RDC dans les girons des grandes nations grâce à la diplomatie active du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, dans le pays, sa présence sur la nationale numéro 1 est un démenti sanglant aux rumeurs faisant état d'une présence des contrôles des camionneurs angolais sur la nationale numéro 1. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshiela Kamba, était sur la route numéro 1, tronçon Kinshasa-Congo central, pour s'en rendre compte. Images et commentaires. Il n'y a aucune tracasserie routière contre les camionneurs angolais en République démocratique du Congo sur les tronçons route nationale numéro 1 Kinshasa-Congo central. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshiela Kamba, s'est rendue sur place pour vérifier l'information. De Selemba ou Amitende jusqu'à Kasangulu, voire les contournements retour de Kasangulu au rond-point Ngaba où le numéro 2 de la territoriale au pays a emprunté la route. Le trafic est normal et paisible pour les patriotes africains de la République Sœur d'Angola, contrairement aux fake news lancées sur les réseaux sociaux. En tout cas, tout c'est Pelmini. Nous sommes très flattés par cette descente de ces membres du gouvernement pour nous réconforter. Occasion également pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshiela Kamba, de s'entretenir avec les camionneurs congolais en grève. Ce, après avoir donné les instructions pour la reprise de la libre circulation des camions des marchandises bloqués à Lufu, à Selemao, suite à l'appel des syndicalistes. Notre gouvernement soumis sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne vous a pas abandonné. Votre dossier est sur la table. Ma présence ici témoigne cela. Je vous prie de reprendre le travail. Au long de son parcours, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshiela Kamba, a désagréablement surpris un sous-chef de la police abandonné par les forces de l'ordre, pourtant censé sécuriser les personnes et les biens.
Sur place, elle a placé un cadenas avant de se rendre au commissariat général de la PNC pour la remise des clés. Il y en a trois d'ailleurs, et voilà, je les mets entre vos mains, mais sous la direction de notre garde. Ouais. C'est une journée très chargée pour le numéro 2 de la territoriale qui, sans repos, s'est rendu à Kisenso au lieu d'assassinat d'un motard pour récupérer les informations. Merci Jacques Kabouaba. Direction la province de l'Ituri en présent, le vice-ministre de la Défense nationale séjourne à Bounia depuis hier dimanche 22 septembre. Sami Adoubango y est allé évaluer la situation sécuritaire de cette province caractérisée par les attaques des groupes armés. On fait le point avec Junior Selemani. L'honorable Sami Adoubango Aoto, vice-ministre de la Défense nationale, séjourne à Bounia, en Ituri, depuis ce dimanche 22 septembre 2024. Au bas de la passerelle, il a été accueilli par le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire principal, Khaoussi Tchaloui, allié place du gouverneur de province. Il est à la tête d'une forte délégation composée de députés nationaux, élus de la province de l'Ituri, le membre des services de défense et de sécurité, ainsi que le membre des cabinets du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. À en croire les sources de la 32e région militaire, l'objectif de cette mission est de procéder à un état de lieu de la situation sécuritaire dans cette province tant convoitée par le terroriste M23, AFC-RDF et leurs alliés et donner une réponse appropriée à toute forme de menace sans aucun ombre de doute. Lors de cette itinérance, l'honorable Sami Adoubango Aoto va également sensibiliser la population itourienne et surtout la jeunesse au soutien de la paix pour le développement de la province de l'Ituri, dont il a la maîtrise en sa qualité de notable, député et sénateur. Notons que l'honorable Sami Adoubango Aoto est l'un des rares personnages de l'Ituri qui ne ménage aucun effort pour dénoncer l'insécurité en Ituri. Dans les temps, il avait déjà dénoncé la connivence existentielle entre les groupes armés de l'Ituri avec les rebelles du M23, aujourd'hui coalisés avec l'AFC de Corneille Nanga, qui compte déstabiliser la province de l'Ituri pour l'exploitation illicite des ressources de cette province. On reste en Ituri pour vous dire que le conflit qui opposait les communautés du groupement Tondabo et Kabarole dans la gestion d'un carré minier, les deux parties enterrent la hache de guerre. Elles ont signé un protocole d'attente de cessation des hostilités à Bounia devant l'administrateur du territoire du Rumu, le colonel Siro Nsimba Bunga. On fait le point avec Junior Selemani. L'approche non militaire aux côtés du militaire imprimé par le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni germe encore ses fruits en province de l'Ituri. En effet, la communauté du groupement Tondabo et celle de Kabarole, nous sommes respectivement en chefferie de Babelebe et de Bahema du Rumu, s'engagent à vivre ensemble et renforcer la cohabitation pacifique. Les deux parties ont signé un protocole d'accord le vendredi 20 septembre courant pour ainsi aplanir leurs différends. C'était à l'issue d'un dialogue communautaire sous la facilitation de la MONUSCO avec l'appui financier et technique du Fonds national de promotion et services sociaux, FNPSS en sigle, coordonné par son directeur général Alice Miri Mokabedi. Les parties prenantes à l'unanimité recommandent la réouverture des activités extractives. Conformément au plan social de la province de l'Ituri. La présentation du plan d'atténuation et de réhabilitation, la répartition des droits coutumiers entre les deux entités. L'administrateur du territoire du Rumu, le colonel Siro Simba, s'est réjoui de l'aboutissement de ce processus. Je vous remercie sincèrement par la sportivité dont on fait montre tous les participants à cette assise, car les objectifs assignés sont atteints, ayant abouti à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Non.
Notons que la signature de ce protocole intervient après les affrontements entre les groupes armés MAPI et FPIC le 16 août dernier dans cette zone à conflit minier. Le soutien de tous est un impératif absolu pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Autre chose, avant son retour aux activités parlementaires, l'élu de Tchikapa dans les Kassai, Simon Moulumba-Poutou, a posé plusieurs actions sociales. L'on a enregistré la construction des ponts, des écoles et bâtiments administratifs. Un retour sur ses activités avec Franklin et Claire Kalombo. En vacances parlementaires dans la province du Kassai, plus particulièrement dans les territoires de Tchikapa, qui est sa circonscription électorale, l'honorable Simon Moulumba-Poutou, président national du parti politique CODEP, a inauguré plusieurs ouvrages d'intérêt public construits avec son propre financement, notamment la tribune d'honneur construite au stade Vatican de Camonia, le pont Lubami érigé sur la rivière portant le même nom, axe Tchikapa. Kamako, lancement des travaux pour la construction du pont Lubilou dans les secteurs de Kabambayi qui se trouve à l'heure d'aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. En véritable élu du peuple qui place au centre de ses nombreuses préoccupations le bien-être de ses électeurs, Maître Simon Moulumba-Poutou a également posé la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du pont Tchikamakama dans le secteur de Tchikapa. Moulumba-Poutou, appelé Nzambi, dans cette partie de la province du Kassai, a également inauguré une école moderne construite sur fonds propres à Kabeyalumbu afin de faciliter les enfants de ces groupements qui effectuaient des très longues distances à pied pour aller étudier ailleurs. Comme les témoins de ces images, grande est la joie de la population bénéficiaire de tous ces ouvrages construits sur fonds propres de cet élu du peuple qui n'est autre que Simon Moulumba-Poutou, dit Nzambi. Rendons-nous dans le Haut-Katanga, plus précisément au quartier Gécamine, pour vous faire vivre en image la démolition des constructions anarchiques par des équipes des brigades d'assainissement et des démolitions. Alain Bikaï, nous en dit. L'assainissement est un chapitre inscrit en lettres d'or de l'agenda de la maire de la ville honorable Dieu Tsunda Tchansa. Ces kiosques contribuent non seulement à l'insalubrité, l'air, érection sur la voie publique et exposer les usagers de la route aux éventuels cas d'accident. À Machipicha, dans les quartiers Gécamine, ce samedi 21 septembre 2024, la maire intérimaire de Lubumbashi a conduit une forte équipe de l'hôtel de ville constituée de brigades de démolition et d'assainissement. Objectif, rendre salubre la servitude de l'État en procédant à l'enlèvement des immondices et démolir toute bâtisse qui obstrue cette artère de grande utilité. Après avoir été mis en demeure et interpellé à plusieurs reprises, les tenanciers des petits kiosques allant de l'arrêt Kabolelage jusqu'à Machipicha ont fait délibérer cet espace des étalages. Les mécaniciens qui ont improvisé les garages sous la servitude de l'État ont été interpellés à libérer les lieux dans une semaine à dater de ce samedi 21 septembre. La ville de Lubumbashi doit rayonner à la hauteur de sa notoriété nationale. Honorable Tunda Tchansa, maire intérimaire de Lubumbashi, plus que déterminé à vêtir la capitale du cuivre de sa robe d'antan. Pendant ce temps, dans la province du Lualaba, plus précisément dans le secteur des Luilou, l'on nous signale le début des travaux de réhabilitation des 6 km des routes des dessertes agricoles. D'autres précisions avec Bambika. Après le lancement des travaux de réhabilitation, 20 septembre, était le tour de la route de desserte agricole Kibila, axe Mukuji-Kibila, de recevoir les engins pour le début des travaux. Ce projet prend en compte 6 km de route et va permettre les échanges commerciaux entre les milliers ruraux, centres de production et de consommation. Le chef Mbouimpoué s'est dit heureux du début des travaux et remercie l'autorité locale pour son sens élevé de travail. Juste après, Betikando Katoke et sa suite ont visité le pont Kibila qui se trouve en mauvais état et qui donne la peine aux fermiers et agriculteurs pour acheminer leurs récoltes
vers les centres de consommation. Un nouveau pont sera jeté sur cette rivière, a décidé la chef de secteur Betty Kando. Motif de satisfaction pour le directeur provincial de l'office de voirie de dessertes agricoles. Dans un autre registre, lancé IAP par la chef des secteurs Louis Lubeti Kendo, les travaux de construction du marché moderne à Lupundu évoluent à grande vitesse. Pour se rendre compte de l'évolution du chantier, Betty Kendo et Moïse Moukepe, ministre provincial des infrastructures et travaux publics, ont effectué une descente sur les lieux. Sur place, les ouvriers sont à pied d'œuvre. Des étals, alimentation, boutiques et entrepôts sont construits à la satisfaction de l'autorité locale, Betty Kendo Katoke et Moïse Moukepe, ministre provincial des infrastructures. Ces lieux de négoce d'une grande capacité est construit en plein cœur de la cellule Lupundu pour répondre aux besoins de la population au manque d'un marché approprié. L'ingénieur chef des chantiers évalue les travaux à plus de 80%. D'ici quelques jours, ce lieu de négoce sera opérationnel et va mettre fin aux dangers que courent les marchandes et marchands le long de la route Kazembe. Revenons dans la capitale. Les chefs des quartiers et la société civile de la commune de Lingwala viennent d'être sensibilisés par la MONUSCO sur le développement de leur commune. C'était en présence du bourgmestre Norbert Mushinga. Images et commentaires. Après les communes de Kinseso, Bumbu et Matete, c'est le tour de la population, des acteurs de la société civile et les chefs de quartier de la commune de Lingwala d'être formés sur les questions liées à la bonne gouvernance et à l'importance de la sécurité. Organisé conjointement par la MONUSCO et l'Inspection générale de la territoriale, cet atelier a eu comme objectif sensibiliser la population à cultiver l'esprit de la bonne gouvernance, promouvoir et assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité en vue de lutter contre le banditisme urbain appelé Kuluna. Pour le bourgmestre de la commune de Lingwala, Norbert Mushinga, la sécurité est d'une importance capitale tant pour le développement de la ville que pour le développement du pays. Ensemble, nous étions en train de voir comment sortir de Lingwala dans cette casquette-là d'insécurité, parce que là où il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas aussi le développement. C'est ainsi que, donc, il était question de faire des comités dans différents quartiers, dans différentes villes, comités locaux de sécurité. Il s'est de noter que cet atelier de formation va se poursuivre dans d'autres communes de la ville-province Kinshasa, car il est temps pour la population kinoise de se mettre au diapason de la vision du chef de l'État, celle de développer et de sécuriser la République démocratique du Congo. Autre chose, les bornes fontaines de la commune de Kisenso, sabotées dernièrement par des inciviques, ces bornes viennent d'être réhabilitées par les députés nationaux Augustin Kabouya. Dans un autre registre, le secrétaire général de l'UDPS est allé au chevet d'une vieille combattante de plus de 100 ans, malade dans la commune d'Elancélé, nous dit Alain Bikay. Aussitôt informé par ces groupes de femmes de l'état de santé critique d'une vieille combattante depuis des 100 ans, le secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya, s'est rendu à Biboua au quartier Talangaï pour réconforter ces dernières et lui assurer une bonne prise en charge médicale. Il s'agit de Marceline Mujinga, une femme qui s'est engagée dans les combats politiques de Tien Tshisekedi pour la démocratie en République démocratique du Congo. J'ai déjà instruit à mes collaborateurs de l'amener dans un bon hôpital de la place pour des soins appropriés. Le président intermédiaire du parti présidentiel n'a pas hésité pour solliciter les prières de ces dernières pour la nation, les chefs de l'État et la paix dans la partie orientale du pays. Je connais les dieux de veuve. Je vous prie d'intercéder pour notre chef de l'État et solliciter l'appui de l'Éternel des armées pour les retour de la paix. Après les cortèges de l'élu de Mouamba, s'est dirigé dans la commune de Kinseso où des inciviques avaient volé le moteur de bande fontaine financé par lui pendant la campagne électorale. Sur place, le lieutenant politique de Félix Tshisekedi a visité tour à tour ces points de forage réhabilités encore par lui avant de sensibiliser les bénéficiaires sur le bon usage de ces biens communs. L'homme reste toujours plus proche de la population.
En pleine année scolaire, des enfants vulnérables pris en charge à l'orphelinat Partage ton pain avec celui qui a faim ont retrouvé sourire après une visite des réconforts de la communauté chrétienne Cité des Paix. C'était hier dans la commune de Mongafula. Rodépanda nous en dit un peu plus. Abandonnés et accusés de sorcellerie, ces orphelins, dont le plus âgé a 18 ans révolu et les cadets un an et demi, sont en pleine réinsertion sociale ici à l'orphelinat Partage ton pain avec celui qui a faim. Vivre par la grâce de Dieu dans de bonnes conditions, tout le monde va à l'école. Et d'ailleurs, notre aîné en sixième année, sixième couple couture, nous croyons que Dieu nous verra à pouvoir obtenir son diplôme. On est toujours fou, on s'habille aussi comme tous les enfants. La prise en charge holistique, c'est le sens qu'il faut donner à cette visite philanthropique de l'apôtre Serge Lukanga et de la communauté Cité des Paix. La vraie religion, comme nous avons chanté, c'est celle-ci. Venir de nos âmes. On est habitué à voir les mêmes personnes. On prêche les mêmes choses. Il y a des endroits où Dieu peut vous bénir. Ce sont des endroits comme ça. En plus, derrière, l'apôtre Serge Lukanga manifeste son élan de générosité, remettant de vivre et non vivre. Ce sont des enfants marginalisés, abandonnés, enterrés vivants. Et si vous remarquerez que dans la ville de Kinshasa, il y a des enfants même cachés dans des maisons. Et ces enfants-là, dès qu'ils arrivent chez nous, la première des choses, nous faisons l'observation et l'accompagnement psychosocial, surtout la rééducation. Créé depuis 4 ans, l'orphelinat Partage ton pain avec celui qui a faim, une initiative de Max Ndenga qui s'attelle à la prise en charge des qualités psychosociales, scolarité et métier pour ces enfants stigmatisés, d'autres vivant avec handicap léger ou modéré et quelques filles mères. Je vous amène au Kasaï, plus précisément à Tshikapa, pour vous faire revivre en image le reportage relatif à la cérémonie d'écollation des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur des arts et métiers de Tshikapa. Franklin et Claire Kalombo nous en dit un peu plus. Cette double cérémonie d'écollation des grades académiques couplée à la clôture officielle de l'année académique 2023-2024 à l'Université de la Sagesse INIS et l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Tshikapa a été présidée par le représentant de maire de Tshikapa. Dans son allocution, le recteur et DG de l'ISAM Tshikapa, la révérende sœur professeure Dr Marie Chilomba Bakita, est revenue sur les innovations apportées par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire dont le jargon est désormais modifié, notamment la mention distinction qui devient excellence. Elle a cependant évoqué certaines difficultés connues au cours de cette année académique. De rappeler que l'ISAM Tshikapa est la seule première institution qui lance sur le marché d'emploi pour la cinquième année les lauréats détenteurs de diplômes dans les domaines de modélisme et coupe et couture dont le département n'était organisé à Tshikapa. Un mot de sport dans ce journal avec du football, Coupe des interclubs de la CAF, l'ASV Club et Loupopo sont éliminés au deuxième tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine alors que les tout-puissants Mazembe et l'AS Maniema Union sont qualifiés à la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Grévrin Ntanto, reportage. L'espoir était permis pour la nation congolaise d'aligner un total de 4 représentants sur 4 en phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération africaine. Le rêve a été brisé après l'élimination de l'association sportive Vita Club et celle du football club Santelon Loupopo au deuxième tour des préliminaires. Les clubs verts et noirs de la capitale a été tenu en échec en but partout par Stellenbosch FC de l'Afrique du Sud. Pourtant, l'évêque libyen ont dominé la première période sans trouver les chemins défilés malgré l'exclusion d'Ismaël Touré, défenseur du club visiteur. Lelo Gonolo Mojela a profité d'une erreur défensive du côté Vita Club pour l'ouverture du score à la 71e minute des jeux. L'égalisation de Vita Club
Au temps additionnel par Sed, Afan a été sans impact car le match a été presque fini. En but partout, de son côté, Lupopo a perdu à domicile 1-2 contre Bravos Domakis d'Angola au stade Kibasa Maliba, alors que le club congolais a été le premier à ouvrir les scores à la 27e minute grâce au pénalty transformé par Bersil Obasi. Au 77e et 86e minutes à cause du relâchement de Lupopo. En Ligue des champions de la CAF, les TP Mazembe et l'AS Maniema Union attendent patiemment les tirages au sort de la phase des groupes prévue le 7 octobre prochain au Caire en Égypte, après leurs qualifications respectivement devant Rouet Arros de la Zambie et Petro Atlético de Luanda. Rappelons que c'est pour la première fois que Maniema Union s'est qualifié en phase des groupes d'une compétition des interclubs de la CAF. Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Ndolo Demazou a sélectionné et commenté pour vous quelques journaux à travers cette revue de presse. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. À la prison centrale de Makala, Moutamba libère 1685 prisonniers malades, annonce le quotidien. Suivant les instructions du magistrat suprême, le président Félix Tshisekedi sur le désengorgement des prisons et cachots et en exécution du programme d'action du gouvernement souminois, le ministre d'État à la justice Constant Moutamba a encore procédé le dimanche 22 septembre à la libération de 1685 prisonniers malades graves à la prison de Makala. Le processus va se poursuivre avant d'entamer l'intérieur du pays. Craque des rebelles Mobondo à Fatundu et Kwango, trois miliciens neutralisés et un capturé, titre le maximum. L'opération Ngimba visant à neutraliser définitivement les rebelles Mobondo dans l'espace Grand Bandundu se poursuit. Sans désemparer, trois éléments de ce mouvement rebelle ont été neutralisés mardi 17 septembre par les FRDC. L'un d'entre eux a été capturé muni de son arme type calibre 12 de fabrication locale. Or, la loi a été vite ramenée au parquet militaire détaché de Kingi. Tchopo, la ville de Kisangani, transformée en chantier par Paulin Lindongolia en seulement 2 mois et demi d'exercice du pouvoir, révèle orientalinfo.com. Sous Paulin Lindongolia, gouverneur de la province de la Tchopo, la ville de Kisangani, chef-lieu de la province, est transformée en chantier. Ainsi, le gouverneur de province intensifie les mécanismes de suivi et de contrôle des travaux sur ces chantiers pour pousser les entreprises à mieux faire. Une forte équipe conduite par son assistante en communication, Belmonte Evito Dorothée, est dépêchée sur terrain pour se rendre compte du niveau de l'évolution des travaux. RDC, la Gécamine SA et la SNEL SA réfléchissent sur l'amélioration de la fourniture en énergie dans le secteur minier, constate Instant News RDC.net. La direction générale de la Générale des Carrières et des Mines a tenu le samedi 21 septembre dernier à l'hôtel Hilton de Kinshasa sa première session de travail avec ses filiales et la Société nationale d'électricité. Ensemble, ils ont discuté sur les défis majeurs que rencontrent les opérateurs miniers liés à l'amélioration de la fourniture en énergie dans ce secteur dont la Gécamine a déjà initié plusieurs actions pour garantir à ses filiales un approvisionnement en énergie stable et sécurisé. Ce sera tout pour 13h30 sur la RTNC. Au nom de toute la grande équipe qui nous a tenu compagnie, nous vous disons merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. Excellente suite des programmes sur la RTNC.